parce que c'est la fête de l'événement fondateur de la foi chrétienne, la fête de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la fête de la victoire de Dieu sur le péché et sur le mal, la fête de notre renouvellement en Dieu et dans la filiation divine. Et c'est autant un défi qu'une responsabilité, parce que le chrétien est appelé à être témoin, témoin de l'amour de Dieu, témoin de la bonté de Dieu, témoin d'un Dieu qui a créé l'homme par amour et qui le veut heureux. Donc le chrétien doit s'engager pour bâtir la paix, pour bâtir le bonheur, pour travailler au progrès de sa nation, de son pays. Donc cela est un défi, mais aussi une responsabilité, parce que nous sommes porteurs d'une espérance, l'espérance de la victoire du bien sur le mal, l'espérance de la victoire de Dieu sur toutes les forces destructives de l'homme. Et donc, porteurs aussi de cette espérance qu'un jour, nous serons définitivement avec Dieu pour contempler sa face et partager son bonheur avec les saints, avec les anges. Le message que j'ai est un message de paix, parce que le Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous réconcilier les uns avec les autres. C'est cela le signe de la croix, la dimension verticale pour nous mettre en relation avec Dieu, une relation apaisée, une relation de confiance, une relation filiale, une relation d'amour, et aussi horizontale pour nous réconcilier les uns avec les autres afin que nous puissions vivre en paix, en harmonie et en fraternité. Donc le message que nous avons, c'est un message de paix, un message d'amour, un message de fraternité, parce que dans le Christ justement, nous sommes nés, nous sommes faits fils et filles de Dieu, enfants de Dieu, sans distinction. Alors pour nous chrétiens dans la Pâque, nous devenons tous frères universels de tous. Alors que cette fraternité puisse grandir dans notre pays, dans la paix, dans le pardon, dans la réconciliation. Telle est notre vœu, telle est notre prière, telle est notre souhait.